applaudissements pour cette arrivée. Voilà que sort Rebecca, donc le coureur junior. Voilà qui s'approche. Que sort Rebecca, donc le coureur junior. Voilà qui s'impose. Attention pour la troisième place. Attention pour la troisième place, synonyme de podium. Voilà en tout cas pour le podium. Évidemment, c'est l'arrivée pour tout le monde maintenant. Voilà, je rappelle qu'on a les infos du pays galop, bien sûr, qui sont pas bien, regardez avec moi la caméra, c'est l'arrivée. Le meilleur grimpeur, donc le coureur de Courchâteau, Étienne Lepule. Pour la Cassie, donc Maxime Février, attendu avec nous. Voilà, nous serons là sur, sur ce final. À 8 jours du Tour du Morbihan Junior, j'ai entendu parler des engagements étaient un peu très clos. J'espère que vous avez pris dimanche pour le Tour du Morbihan. Bah oui, j'espère, c'est intéressant de faire une belle épreuve comme ça, une meilleure balance, circuler encore un résultat, c'est intéressant. Alors, il a une saison un peu particulière, un petit peu à la vue de l'an passé, était là, une belle formation du côté de la Séléonore, bien sûr, une Cambraise. Beaucoup de déceptions, un petit peu, avait beaucoup misé sur cette saison chez les juniors. Oui, franchement, un peu de déception, mais on a quand même des belles courses là. On a la chance, les juniors, d'avoir des belles courses encore quand même. Il y a un sort de juniors. Mais c'est vrai qu'on aurait bien avoir une saison, on a des belles sont là. Comme tu as dit, il reste des bonnes, la flèche de Varanès, c'est bien également, vous connaissez bien. Oui, la flèche de Varanès, forcément, c'est une course. Alors, en tout cas, on va retrouver les garçons qui nous rejoignent. Locomotive comme Florian Berger. Est-ce que tu connaissais le nom Florian Berger? Je ne le connaissais pas, mais on m'a dit pour un ami au briefing, il fallait surveiller. Je suis parti avec lui, c'était dur. Je ne pas trop passé, je passais vraiment pas beaucoup. Et je vraiment le remercier parce qu'il m'a vraiment laissé la tout simple. Oui, mais bon, c'est bien. Ça va te motiver un petit peu, Romain, dimanche prochain, sur le hauteur de l'embrasement, pourquoi pas la même heure sur le tour du Morbihan Junior. C'est vrai que c'est une belle course, c'est un jeu qui est arrivé. Alors cette saison, on va dire saison difficile, une victoire aujourd'hui, ça va un petit peu, on va tout dire que c'est une belle saison pour toi. Merci à Romain Claude, un fermeur, Florian Berger. Moi je le connais depuis longtemps, donc il est venu du côté de chez Morfleuc, il est un petit peu partout chez les élites, chez les premières catégories. J'y suis encore. Quand on est pris par celui du vélo, c'est pas le Covid du sol, on va s'arrêter. Ouais, c'est un peu compliqué, j'ai arrêté en Aujourd'hui on peut le sentir un petit peu, mais j'ai vu un fort en mini, en cadet, beaucoup, parce qu'il y a le gros peloton de son coureur, c'est vrai que tout le monde veut courir, le cyclateur du Morbihan, du Morbihan 200, c'est limité, je crois, il n'y a pas cette place pour tous ces juniors, c'est bien la connu, mais c'est vrai que tous les deux, ça roule un peu plus loin. En fait, on a fait Je connais bien les gens qui ont fait des points.
Voilà, merci Florian, on va dire un peu vite un petit mot. On retrouve avec les jeunes comme ça. Ah ouais, ouais, bah, vous savez que voilà, MT Junior, on peut le motiver, on peut le dire pour l'instant, c'est bien, à 6h comme ça, en plus, on pourra vivre demain, c'est bien pour lui, c'est pour ça que c'est des jeunes qui sont très parce qu'en partant c'était mon objectif. Après forcément je reviens d'ici la prochaine meilleure place, mais j'ai essayé de faire le job sur la course en ligne, et la course en circuit c'est assez compliqué, beaucoup de virages. Donc il fallait bien être placé, le train était tiré, j'étais un peu fatigué à la fin, donc c'est une consolation. Voilà, comme ça, tu en peux le plaisir un petit peu. Nous, donc, l'Olympique Maurice, de Rachel, le courant de l'Olympique, elle a fait tant connu. Donc, si quelqu'un peut nous ramener l'Olympique Maurice, en tout cas, Marcel, on va demander maintenant au courant de passer juste derrière. Alors, Robin, qui va aller quand même te servir. Donc, tu vois, avec le bouquet et le trophée sur le sommet de Marcel, voilà, qui va rejoindre les sorties. Donc, Florian, la deuxième place, donc, c'est l'apporteur. Voilà. Tu continues dans l'ordre, voilà, on peut être là. On continue dans l'ordre parce que c'est le trophée du meilleur grimpeur. Voilà, avec le trophée. Ludovic, je crois qu'il me rejoint, Ludovic Morizo. Voilà, le voilà, Ludo. Viens nous rejoindre, Ludo. Voilà. Et depuis, voilà, c'est pour toi. Allez, prends le bouquet et le trophée. Alors, tu prends quelques post-it de l'entrée de l'enjeu, ce sera mieux si tu comprends sur le photo. Et Maxime Février, par exemple, va rejoindre le ingénieur. Et Maxime Février, voilà, là, pour la distension. Et bien parce que depuis le début, on a toujours eu la volonté au niveau de l'équipe de faire cette course-là, de profiter d'abord à la date. Et puis, on savait qu'avec, quand il y a eu des confinements, on s'est dit la date, ça devrait passer. Et effectivement, donc, et en plus, on a eu nos commerçants, nos artisans, donc plus généreux, comme d'habitude, donc merci. Ça nous a permis de pouvoir la faire. Pour certains comités, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même un budget ici de 1000 euros. Il faut quand même pouvoir un petit peu d'argent. Voilà. Merci Marcel. Je pense qu'on peut venir Marcel et toute son équipe. Alors c'est donc qui va dire quoi, bien sûr, la musicalité, qui a répondu par rapport à Marcel et Pino. Voilà, vous allez répondre à Marcel pour le courant de la musicalité. Félicitations d'abord au Merci Marcel, encore une fois on peut applaudir toute l'équipe de la Stellenberg et merci, j'espère que ce moment-là vous défendra le haut pour que ce Covid est bien oublié rapidement et qu'on revive un petit peu, ça va pas être facile, je sais, on va vous mettre porte-à-l'eau, vous êtes le député, vous allez rejoindre Paris, vous allez dire que tout s'est bien passé à la Télèse du Lanzarnet. Oui, alors pour le coup c'est tout pour Paris qui nous tombe dessus, mais peut-être le préfet, mais bon, tout le monde a son masque et tout ça, je dirais que ça s'est bien passé, les gens ne sont pas touchés, etc. C'était bien et qu'il faut continuer parce que bon, faut quand même bien qu'on fasse quelque chose le week-end. Hein. Donc il y a pas, et là, il y a quand même eu beaucoup de courses annulées. C'est une des, il y en a encore, c'est une des premières là, qui est là. Et c'est, bon, c'est dommage quand même parce qu'il bon, faut continuer à vivre d'une part et puis pour le Covid, il y en a quand même pas beaucoup dans nos campagnes. Donc il suffit de tomber une fois, mais quand même, et puis bon, alors on a eu Plouet, effectivement, on a eu Grandchamp, et puis on a l'année prochaine. Parce que bon, bah, vu
que le Tour de France démarrera de Brest, ça veut dire qu'il passera encore plus en Bretagne, forcément. Parce que s'il était parti de Rennes, peut-être qu'il serait parti tout de suite en dehors, mais là, on va en partir à la pointe de la Bretagne, il est obligé de traverser toute la Bretagne, et ce sera bien pour nous. Alors je sais que Hermel se tente pour savoir si ça pourrait être une ville étape, donc on serait très content que Hermel se soit les rangs, évidemment. Merci.